c'est vendredi soir, c'est confit. La wifi est au lit. Du coup, ça part sur un petit Minecraft. Parce que pourquoi pas? Parce que pourquoi pas? Je suis redevenu accro à ce jeu. Oh! Ils ont fait apparaître un... Ok. Alors les villageois ont fait apparaître un golem. Ça, j'ai jamais vu avant. Donc j'imagine que c'est lié au fait qu'il y ait des monstres dans le coin. Alors ça... Ça me fait quand même... Bah... Les zombies ont buté mes villageois. Attends, c'est une blague? Mais ta mère, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sérieux, ça? Attends voir. Donc là, je me... Bon, toi, dégage. Attends. Il est où? Ouais, bon, à chaque fois, il va se TP. Attends, mais... J'avais des villageois ici pour la reproduction, et ils se sont tous fait buter par des zombies. Et c'est le golem qui les a zigouillés derrière, les zombies. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Ah, mais ça va être super long pour récupérer. Je vais être... Oh non... Oui. Attendez que... Non mais... Prudy. Donc là... Pourquoi j'arrive pas à péter le truc d'ici, quoi? Il faut que je le fasse de là. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à m'enfuir avant que les mecs utilisent cette petite plateforme que j'ai créée. Tac, voilà. Alors, maintenant, eux, faut que je leur donne des carottes. Parce que là, on est reparti à zéro, là, en termes de reproduction de villageois. Hop, allez-y, faites-vous plaisir, on a plein de lits. Ah, salut Yoshi Arthur. Si j'ai vu la déco... Attends. Je vais voir, c'est pas le même PC, en fait, sur lequel j'ai mon serveur. Donc, ici... Yoshi Arthur left the game à 16h16. De quoi tout au-dessus? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ah, la déco, la décoration. Je croyais la déconnexion. Moi, quand tu me dis déco, je pense déconnexion. Ok. Non, mais je viens de me connecter, donc là, je vais aller voir. Ils ont fait un bébé, ça, c'est cool. Donc on va devoir faire plus de bébés, hein, avec eux. Ah, cool. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais tu peux faire des portails beaucoup plus grands. Par contre, il faut mettre de la lumière, parce que sinon les mobs vont continuer à popper. Tu sais faire des portails beaucoup plus grands, il suffit en fait qu'il y ait de l'obsidienne tout autour. Et donc j'ai déjà vu des mecs faire des formes et tout, de portails, ça peut être cool aussi, ça. Attends, c'est moi ou j'ai pas de son ah. C'est moi qui avais coupé le son, je pense. Non, j'ai pas de son. Si, j'ai du son. Ok, voilà, j'ai du son. Ah, c'est cool. Je vois que t'as utilisé des trucs du Nether, etc. Ça fait une petite ambiance. Ah ! Oui, le serveur lag. Bon, attends, lui, il en est où ? Lui, il est full. Lui, il n'est pas encore full, et pour qu'il soit full, faut que je lui vende des bouquins. Ouais, des bouquins. Et lui, faut que je lui achète des trucs, donc ça c'est niet. Donc des bouquins, alors ça il faut que je retire à chaque fois. Bah, oh! Ah bah dis donc! Ah bon, c'est pas chier les gars! Feuille, à l'aise.
À l'aise. Bon, maintenant, il me faut du cuir. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, cuir, cuir moustache. Hop. Ici, 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 ici. Où est mon cuir ? Là, j'ai un bouquin. Et là, j'ai du cuir. Hop. Bouquin. Bam. 40 bouquins d'un coup. Toi. Hop. Attends, non. Hop. Ok. Là, il level up. Vas-y, montre-moi. Qu'est-ce que t'as de nouveau ? Ce truc-là. Et... Bane of the Arthropod 1. Ah, mais je m'en fous de Bane of the Arthropod 1. Bon, je vais continuer à lui vendre des trucs, on verra bien. Si il a pas envie d'en faire un autre. Ici, eux, bah, je vais essayer de les récupérer. Donc, ici j'ai un bateau. Un bateau, un bateau, voilà. Oui. Montez dans le bateau, les gars. Hop, hop. J'aimerais bien que le bébé aille dans le bateau. Ok, c'est lui qui a été dans le bateau. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bateau là. Hop, hop. Et lui. Hop, voilà, voilà, voilà. Maintenant, je referme. Non, 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 non. Allez, allez. On va dans le bateau, on bouge le bateau. On sort, hop, vite. Hop, voilà. Ok, je vais le remettre dans son cagibi. Donc lui, il était là. Hop. Et pour ça, il faut que je lui fasse de la place. Non, pas autant. Tac. Tac. On rentre, on rentre, on rentre. C'est du chipot, hein. C'est vraiment du chipot de les avoir bien comme il faut. En tout cas... La manière dont moi je le fais, je sais pas si c'est la manière optimale. Donc là, il sait pas aller, et là, il est bloqué aussi. Ok. Voilà. Donc maintenant, yes, ça c'est fait. Et la petite trappe. Pac, pac, yes. Ok, ça c'est bon. Maintenant, hop, 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 je lui remets un établi et on a notre enchanteur, hop, qui est toujours en power 5, donc ça c'est nickel, ça marche bien ces trucs, ça marche bien. Voilà, voilà. Je pense que ça, voilà, le Nether, c'est le principal maintenant, c'est d'obtenir des Blaze Rods. Une fois que j'aurai des Blaze Rods, je pourrai faire plein de choses. Je pourrai faire des potions, ce qui est nécessaire pour aller voir les temples sous-marins. Je vais pouvoir faire des High Offenders. Voilà. High Offender, je vais pouvoir faire donc l'High Offender pour trouver le Stronghold pour aller dans l'End et surtout pour essayer de choper le matos qu'il faut. Et puis il m'en faudrait aussi pour faire des coffres, donc il me faut des High Offender pour pouvoir faire des coffres
des coffres de l'Ender. Et les coffres de l'Ender, ça va être trop, trop utile pour pouvoir aller au Woodland Mansion et dans le Stronghold. Le but étant évidemment d'avoir du stuff de rechange. Si jamais je me fais zigouiller dans ce truc, que je puisse rapidement me restuffer et foncer récupérer le stuff de base. J'ai pas envie de perdre tout mon stuff enchanté. Que les choses soient claires. C'est pour ça aussi que je me fais des farms pour pouvoir tranquillement accumuler de l'émeraude et avec cette émeraude pouvoir facilement obtenir des livres d'enchantement, quoi. Les livres d'enchantement me permettront de réenchanter avec les bons enchantements mes différents stuffs. Un bon petit café, bien nécessaire. Alors. Bon, toi. Ben non, en fait. Ah, quoique. Il est où? Ah, il est là. Là, t'es mort. Hop. Comme prévu, alors. Je vais essayer de trouver un nouveau biome. Mais c'est pas facile à trouver comme ça. Donc. Surtout que là, on est clairement sur un biome bien relou. Étant donné qu'on est sur du sable. Ok, ça va y aller à la pelle. Et puis à la pioche. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Rien de bien passionnant. J'ai pas de stuff en or. J'ai pas de stuff en or. Le stuff en or, c'est pratique dans un certain cadre. Le stuff en or est super pratique quand on croise les nouveaux mobs. Il y a, des espèces de dumpers, mais c'est pas les simples dumpers. Je sais plus comment on fait la diff. Bon, en espérant trouver un biome un peu coolos sur le chemin. Hop. Hop. Noo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 
Donc il y a les, en fait, il y a les pigmen qui eux qui florent. Il y a les zombies pigmen qui eux s'en foutent. C'est pas leur problème, ils vivent leur vie. Je vais essayer d'aller jusqu'au bones là, ça va être bien. Hop, hop, hop. Voilà, et ici. Je vais faire un petit chemin qui descend. Voilà, on descend, posé. On se fait pas de mal. On avance. Oui, je t'ai vu, Pigman. Jusque pour l'instant, il n'y a pas de raison d'être fâché sur WAM. Voilà, on est potes. Je pense qu'on est potes. J'ai juste buté un squelette. Voilà, on est bien, on est bel et bien potes. C'est bon. Et avec eux. Attends. Donc là. Ok, on est bon. Ça c'est. Ouais, ouais. Toi là. Toi, on est potes. Ouais, on est potes. Si je te jette de l'or, comme ça, hop, tu vas le prendre. Qu'est-ce que tu me donnes? Ouais. Tu donnes quelque chose? Tu donnes rien? Tiens. Ah, il m'a donné ça, je pense. Vas-y. On sait jamais, hein. Avec de la chance, on reçoit de la... Ok, non mais ça je m'en fous. C'est quoi, Dan? Toujours Blackstone, ouais, non. J'ai quand même pas mal d'or, hein, donc il y a peut-être moyen de choper du... Ok, du Crying Obsidian, 3. Ah, ça pourrait me refaire un point de spawn dans le Nether. C'est peut-être pas déconné, hein. Qu'est-ce qu'il m'a donné? J'ai pas vu. Ah! Soul Speed. Ah, mais ça c'est pas mal pour le Soul Sand, vu qu'il y en a pas mal. Ah, mais Soul Speed, ça je vais peut-être me faire ça. Comme. Vas-y. Ok. Oh! Des flèches? Des Spectral Arrow. Ça va, c'est cool. Je connaissais pas ce truc de loterie, c'est nouveau pour moi. Hop, ça c'est de nouveau de la Blackstone, on s'en fout. Ah, c'est le bébé qui l'a pris. Attends, t'as intérêt à me donner un truc, toi. Tiens, le cochon, tiens. Il donne rien, le bébé. On peut virer le bébé? Saloperie. Tu me donnes quoi? Il l'a donné à son bébé, ou je rêve? Non, mais... Non. Prends-le. Voilà. Donne-moi un truc. Tu vas me donner un truc. Ça brille. Blackstone. Ah non, Obsidian. Mais non, mais le bébé... Il est sérieux, lui? Est-ce que j'ai une pioche avec Seal Touch? Oui. C'est quoi? Qui m'a donné? Il m'a donné un truc enchanté. Je l'ai pas ramassé. Ah, c'est une potion. Tac. Fire Resistance. La Blackstone, je m'en fous. Tiens, viens chercher. Ah, c'est marrant. C'est marrant, ce truc. Après, moi, ça me fait marrer. C'est peut-être pas marrant à regarder, mais moi, ça me fait marrer. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Fire Resistance, de nouveau. Tiens. Prends. Oh, tiens, pardon. Tiens, vas-y. Gimme. Ouais. Non, je m'en fous. C'est de l'obsidienne qui m'a donné. Qu'est-ce que tu m'as donné? De nouveau de l'obsidienne? Non, je pense qu'il m'a donné de la Blackstone. Hein. Alors. Ouais. Tu m'as donné quelque chose ou pas? J'ai pas vu. J'ai rien de nouveau dans mon inventaire. Attends, ici. Viens ici. Trop de bordel par là-bas. Hop, et ici. Du gravier. Tu me donnes du gravier?
T'as cru que j'étais j'étais un clochard? Soul Send, non merci. Il devient radin. Il devient radin. Du cuir, mais... Tu me donnais des trucs tellement stylés à la base. C'est quoi ça? Obsidienne. Bah l'obsidienne... Après voilà, ça peut toujours servir pour refaire un portail si jamais on veut revenir dans le monde de la réalité véritable. On va le faire revenir vers ici. Du Soul Send. Mais du Soul Send, mes frères! Des flèches spectrales pour képé. Et là, il nous reste un seul or. Et de... Ça, bon, bah tant pis, hein, écoute. On aura tenté de commercer. Après, j'ai toujours la possibilité de faire plus de commerce. Mais alors, je pense qu'il faut 9 nuggets. Et là, du coup, c'est plus chiant. Ouais. Ça veut dire qu'il me faut une table de craft. Mais je peux faire quelques trucs d'or. Alors je sais que c'est peut-être pas le plus passionnant de me regarder commercer avec les mecs, mais c'est tellement utile. Le Silk Touch ici, par contre, ça je vais faire. Silk Touch, il n'y a rien de plus pratique pour avoir de la glowstone directement comme ça. Hop là! Ça, hop, ça dégage. Tac, voilà, de la glowstone. Et là aussi, là-bas il y a de l'or, là il y a de l'or. À l'aise, tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Et donc en fait, si je ne portais pas d'or sur moi, eux m'attaqueraient. Voilà, si j'ai bien compris. Tac, 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 tac. Voilà déjà ici, voilà des... Quoi? Pourquoi? Mais pourquoi tu m'attaques? Qu'est-ce que je t'ai fait? C'est parce que je prends de l'or? Je te prends de l'or? T'aimes pas ça? Et du coup, eux, ils m'attaquent? Attends, ils m'attaquent ou pas? Mais t'as quoi? Ok. Et si je jette du... Voilà. Alors, je leur ai pris de l'or. Oh, mais non, mais toi... Ah, ils sont deux, en plus. Il est où? Il est derrière? Où es-tu? Bon, toi, là-bas. Non. Hop. Yes! Retour à l'envoyeur. C'est ça qu'on veut. Et toi là-bas? Non. Toujours pas. Eh oui! Yere yere! Mouda mouda mouda! Hop! 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 Voilà. Alors. Donc ici on est toujours sur mon petit chemin, je vais faire ça, hop, tac, et ici, alors, hop, 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 7 lingots, tac, tac, hop, c'est le max qu'on peut faire. Alors, normalement, il y a encore un des mecs qui accepte de l'or, qui traîne dans le coin. Faut juste que je le retrouve. Non, zombie pigmen, ok. Y a pas de pigmen, je vais les garder, peut-être que je croiserai des pigmen plus tard. En attendant, donc on est ici tout droit et on continue. Il est vraiment puissant mon arc. C'est puissanto, muy muy puissanto. Donc ici, on a des nouveaux trucs que j'ai jamais vus. Alors de quoi s'agisse? On peut pas le récupérer, ça. Ah si, on peut le récupérer. Attends, c'est quoi? Voyons voir. Nether wart. Ah, attends, et ça du coup, est-ce que je peux en faire des wart? Non. Stone, ok. Bon, la Blackstone, je m'en fous, j'en ai pas mal de stock.
Mais ça, par exemple, hop, j'en ai pas. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais pourquoi pas faire quelque chose avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Shroomlight. C'est cool, on découvre des nouveaux trucs. Donc attends, ici, moi de toute façon, je vais me faire un établi qui va me permettre de faire de l'or. Parce que là, là je suis trop chargé. Donc au moins, l'or, je vais pouvoir le stocker comme ça. Tac, 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 tac. Pack. Tac, 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 tac. Pack. Ça, je m'en fous. Je jette. Ça, ça peut rester là. Du coup, ici, je peux continuer à choper quelques trucs, mais c'est surtout, donc là, ma ligne droite, elle vient là. Continue par là, je vais continuer. je vais continuer, je vais continuer. C'est cool, un nouveau biome. Et là, il y a un cochon vénère. Donc, je vais gentiment le dézinguer. Là, 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 hop. Non, là, pack. Non, hop. Yes. Mais il brille complètement. Pourquoi tu brilles? Hop. Si j'en touche un, il se met à briller. Oh, il y a des y a de nouvelles variétés de champignons là. Ok. Je commençais à croire que ça leur rendait de la vie là. Je commençais à avoir peur. Ok. Ah, et ça alors, c'est les trucs qui me permettent de naviguer sur les petites créatures là. Et la Crimson Fungus, ok. Ah, c'est chelou comme biome. Là, je me suis dit, je suis pas chez moi, quoi. Bon, vous, vous m'attaquez si vous me voyez? Toi, t'as l'air coincé. Toi, t'as l'air bête. Attends, ils attaquent ou pas? Parce que j'ai pas envie de mourir, en fait. Vous avez l'air cool. C'est cool ou pas? Ils me font peur. Ouais, mais tu fais peur, frère. Hop. Je pensais que c'était des mobs agressifs. Je pensais pas que c'était des mobs passifs. Donc, là, on continue tout droit jusqu'à ce qu'on tombe sur ce qu'on recherche. C'est-à-dire une forteresse. What? Mais d'où? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, 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 tu vas pas t'enfuir maintenant. Il est dingue, lui. Il vient, il attaque et puis il se barre. Niette. Ok. Hop. Hop. Ok. Donc là, on peut pas se casser la figure. Là non plus. Hop. Non, non, mais... Ok. Pas si impressionnant. Je pensais qu'ils étaient plus violents que ça. Donc là, hop. Comme ça, on est safe. Ah, le but, c'est de faire un chemin safe qui va vite, hein. Et puis, aller super loin, ça me permettra de toute façon de générer un portail. Et le portail me permettra de découvrir de nouveaux biomes dans le monde Minecraft, qui n'est pas le monde Nether. Donc de toute façon, c'est tout bénef de faire une explo comme ça dans le Nether. À part si on meurt. Wow, mais il y a toute la smala là. Ouf. Non, 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 non. Oh, Seigneur. Ils me suivent? Ils me suivent. Mais là... Ah non!
Oh! Oh, punaise! Punaise, j'avais sécurisé de ouf! Wow, mais ça me déprime, quoi. C'est pas possible. Putain, c'est quoi le délire? Ils ont fait un golem. Ouais. Est-ce que... Oh, punaise, quoi. Oh, ça saoule de ouf. Fait mal, hein. Rien, c'est il faut absolument que je trouve comment régler le problème de décalage. Il y a un petit décalage, il y a quand même une belle latence entre le moment où je fais quelque chose, où je dis quelque chose dans le live et le moment où ça se voit et ça s'entend de votre côté. Bon, j'ai aussi besoin de thunes, donc je vais aller voir ici, tac, chez lui. Lui, il achète du blé. Viens ici. Il y a plein de carottes là. Pourquoi tu... Il y a de nouveau plus de villageois. Il y a de nouveau plus de fucking villageois. Donc la ferme fonctionne pas tant qu'il n'y a pas de villageois. Il faut que je refasse un villageois pour ici. C'est tellement relou. Bon. J'aimerais bien comprendre pourquoi. J'aimerais bien comprendre comment ça se fait. Tu veux bien venir, mec? Peu. Il va pas level up comme ça, dans tous les cas. Bon, il faut. Je vais noter ça quelque part. Le villageois. Dans la ferme. Ça me saoule. Et alors, hop. Moi, je continue ici. Alors je sais pas si ça flotte dans la lave, un casque en netherite, mais c'est tellement chaud d'obtenir un casque en netherite que je vais pas le laisser là dépérir. Je vais quand même aller voir vite fait. Je vais prendre quelques levels pour mettre efficiency sur ma pioche quand même. Désolé pour le boucan, désolé pour le bruit, ça fait tellement de bruit. Jacadis, si tu continues à faire du boucan, je te découpe en rondelles. Ok. Bon bah, je vais être obligé de vous découper en rondelles, les mecs. Et là, pourtant, c'est vraiment pas de ma faute, hein. Je vous ai demandé et vous avez continué. Voilà. Ah vraiment, je pensais qu'on était potes, quoi. Et ici. Tac 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 tac. Oui, donnez-moi votre XP, faites de bébé. Oui. Pour mieux décéder. Ah, prenez des œufs dans la face! J'ai encore des graines. La 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 la, donnez-moi de l'XP. Bon, après, vous serez quand même un petit peu trop nombreux pour votre enclos, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer aux Hunger Games. Alors, les Hunger Games, c'est simple. On se met en tas, je donne un coup d'épée, ceux qui survivent, survivent. Ouais? Allez, c'est parti. Ok. Ça a l'air de bien se passer. Ah, voilà! Voilà, j'ai pris quelques levels. C'est déjà ça. Hop là, j'ai quelques carottes à aller donner à mes potos ici. Mais je crois qu'ils enfantent sans... Pas besoin de...
Ah, quoique, tenez les gars. Faites-vous zézir. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Tiens, Arthur, si t'es encore en bas, est-ce que tu peux checker à la ferme? Il faut absolument qu'il n'y ait pas de blocs autour des fermes où il y a les villageois. Parce que je pense que c'est comme ça que les zombies montent et butent mon villageois. J'ai vraiment pas envie que ça se reproduise encore. Quoi. Alors ici, c'est là que je suis mort, quoi. Pouah, là, 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 là. Ah non, c'est là. Tac, là c'est bon, hein, tout ça, on est safe en fait. Jusque. Attends, ça, je vais mettre comme ça on est obligé d'aller par là, et bim. Et voilà, j'étais safe en fait. J'étais safe. Et ah oui, ce que je voulais voir, c'était est-ce que je vois mon casque en netherite qui flotte. Pas là. Non. Pas aussi facilement récupérable. On y a cru très fort. Déception. Alors je sais pas pourquoi je suis revenu en arrière en plus, c'est tellement idiot. J'étais safe quoi. Hop. Je suis greedy hein. Je peux pas m'en empêcher. C'est infernal. Je suis vraiment le pire. J'ai un bouclier, donc je suis protégé des explosions de creepers a priori. Donc même s'il fait nuit, il y a vraiment peu de choses qui peuvent me tuer à la surface. Donc ici, je peux tranquillement sortir du Nether avec un... Je veux dire, si j'ai survécu à ça, je peux prendre un portail et survivre de l'autre côté dans le monde. Ça, c'est pas un souci. Donc le portail, je vais le mettre ici. Sauf que toi, t'es mort. Non. Oh, punaise. Et c'est dangereux, ces trucs. Hein. Ici, j'ai du soul sand. Bon, je vais faire un petit truc. Pour les empêcher de pénétrer dans le portail quoi. Non mais j'ai pas fini. Un petit rempart, ça va le faire. Voilà, ici ils savent pas rentrer, ici ils savent pas rentrer, tac 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 tac. Ici ils savent pas rentrer. Ça fait peur. On se fait peur dans ce live. Hop hop, voilà. Tac tac. Et c'est pas assez large pour un portail. Fucking genius. Ça va, je vais le faire comme ça. Ce sera moche, mais c'est pas grave. J'essaierai de faire un truc propre, un de ces quatre. Donc, 1, 2, 3, 4. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et là, je dois récupérer... Ça, c'est le problème quand on en a que 10. Hein. Je vais récupérer un coin. Je me demande où je vais atterrir. Ok, donc ça, ça va me saouler. Ah, c'est parce que j'ai plus de place pour l'obsidienne. Hop. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et j'ai mal calculé. Allez! Putain de sa mère.
Avec 10, j'ai assez. Je pense que je dois enlever les 4 coins si je veux 10. Si je veux en utiliser 10. C'est tellement long. Il faut absolument que je mette efficiency sur. Tac. Tac. Et. Obsidienne. Hop. Hop. Et ici, je dois prendre ce coin-là. C'est toute une science, hein. Tac. Voilà. Et ici. Hop. Tac. Voilà. Où est-ce qu'on va atterrir? Dans le ciel. Au-dessus de l'océan. Waouh. Chiou. Moins 1200, 3544. Je vais rentrer par le Nether. Je vais rentrer par le Nether. Ah, c'est le portail le plus chelou que j'ai vu jusqu'ici. Ah, c'est marrant. Oh non, 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 non. Mais allez, quoi. Ils ont pas envie de me foutre la paix. Sérieux, moi je veux juste pas mourir quoi. C'est pas demander grand chose que juste pas mourir. Punaise. Voilà, décède. Oh, yoyoyoy. Ça commence à puer. Allez, 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 punaise. Punaise, c'est pas possible. Oh. Et on va faire un marché. Toi, tu vas me donner des trucs pour me défendre. Non? Tu veux pas? Tiens. Tu kiffes l'or. Et dire que si je portais pas d'or, si je savais pas qu'il fallait porter de l'or, je me serais fait attaquer par ceux-là aussi. Ça, c'est la folie. Tête, tête, tête. Qu'est-ce que tu fais? Viens ici. Ici. Je prends. Pelle que je n'ai pas. Je fais une ouverture. Et lui, il va vouloir avoir un métier à un moment. Surtout si je fais ce qu'il faut pour qu'il ait envie d'un métier. C'est-à-dire que je vais lui faire un pupitre vu que je veux qu'il soit bibliothécaire, enfin libraire bibliothécaire, je ne sais pas exactement quelle serait la traduction exacte dans le jeu. Pour ça, il me faut des slabs. Ça, c'est réglé. Et alors, une bibliothèque. Tac. Il est où le pupitre? Pupitre. Zbim. Et là, lui. Oh, bah il y est, tiens. Hé. Même pas besoin de se casser là. Tout est. Je l'amène dans son cagibi. Tu vas voir, tu vas être bien. Tu sais, ils se plaignent au début, mais après, ils s'y font assez vite. Hop. Et donc, tac. Mais, ici, je dois faire ça. Alors ici, il faut que je mette une trappe. Une trappe, mais j'en ai plus de cette couleur-là. Donc ça va pas être beau, mais c'est temporaire. Pec, pec. Voilà. Comme ça, il sort pas de là. Et moi, j'attends juste qu'il se mette au bon endroit pour pouvoir, ah là, hop, hop, faire un truc un peu propre. Pardon pour la toux. Maintenant, je lui mets son pupitre. Hop! Et on a un nouveau libraire. Power 5. Alors, il me semble qu'on a déjà Power 5. Efficiency 4. Power 5. On a déjà Power 5. Désolé, mec, mais tu vas devoir changer d'enchantement. Un enchantement. Donc, on est reparti
Sweeping Edge. Alors, ça c'est bien, mais pas de niveau 1. Moi, ce que je veux, c'est Fortune 3. Unbreaking 2, non, c'est pas assez bon. Si je veux Unbreaking, c'est Unbreaking 3. Ok, pas d'enchantement, c'est niette. T'es un peu dur en affaires, hein, mec. Parce que là, j'ai quoi encore? Ici, j'ai Power 5. Ça, c'est balèze. Efficiency 4, c'est balèze. Looting 2, c'est cool. Feather Falling 4, c'est balèze. Bane of Arthropod 1, c'est nul. Aqua Infinity, pourquoi pas. Bon, vous savez quoi? Hop, allez dormir. Par contre, toi, t'es toujours inutile. Ah, mais dans tous les cas, ça sert à rien. Il me faut d'abord des émeraudes. En tous les cas. Donc, je vais continuer. On va piéter, Arthur. J'ai pas envie d'aller faire là. J'ai envie de travailler dans la ferme, mais pour ça, il faut qu'il fasse jour. Je sais que c'est bon pour le teint et pour la vue, mais. Pas abusé. Mais c'est lui qui prend tout, tiens. Ah. Alors. Ça sème. Ah, désolé les gars, je veux pas vous déranger. Il y a peut-être pas assez de lit, je sais pas. Pas de bébé. Je parie qu'il n'y a pas assez de lit. Donc, j'ai pas assez de bois. Ah si. Oh, ben voilà. Ok. Alors là, j'ai des bouquins à vendre. Ouais, toi. Trois bouquins. Ah, oh, c'est cool ça. Ça, c'est cool par contre. Ça fait vraiment bien le taf. Je peux carrément déjà me faire un autre villageois. Ce que je vais faire tout de go. Hop. Donc ici. Tac, tac, tac. On est un cran en avant. Tac, tac. Ok. Et du coup. Pac. Pac. Alors, je sais pas. Je vais le mettre là, lui. Donc, ici, ça va être. Ok, non, c'est bon, j'ai une bonne idée de à quoi ça va ressembler. Donc, hop. C'est la nuit? C'est pas la nuit, les mecs. Vous couchez pas? Hop, on se réveille. Dans le bateau. 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 Ok, je pense que c'est la nuit. Et qu'il a le problème. Voilà. Alors. Voilà, on en a déjà un dans le bateau. Maintenant, j'aimerais bien y mettre le petit. Toi. Dans le bateau. Voilà. Donc maintenant, on met un bateau ici. J'ai deux livres. Deux livres, c'est pas assez. Ok. Il me faut des livres. Il me faut des livres parce qu'il faut une bibliothèque. Pourquoi il me faut une bibliothèque? Il me faut une bibliothèque parce que il me faut un pupitre. Et il me faut un pupitre parce que je veux que ce pélo me procure en enchantement. Il me faut du bois.
Et cet arbre a été mal coupé. Voilà. Au moins, il va disparaître. Au lieu de rester pendu dans les airs comme ça. Par contre, tac, je vais prendre un peu de bois blanc, ça change un peu. Voilà, comme ça j'ai de nouvelles recettes qui s'ajoutent dans le livre de recettes. Voilà. Allez. On est parti. Yep. Hop, hop, hop. Bibliothèque. Paf. Paf. Des slabs. Tac. Tac, tac, tac. Du coup, maintenant, je peux faire ça. Paf. Easy. Et lui, voilà, il est dans le petit bateau. Et on l'amène gentiment, mais sûrement, dans sa nouvelle maison. Bienvenue chez toi, petit villageois. Voilà. Bienvenue chez toi, je te présente ta nouvelle maison. Tu y vivras à peu près 24 heures sur 24. À peu près, à peu de choses près. Et quand je dis à peu de choses près, c'est à aucune chose près en fait. Tu y vivras 24 heures sur 24. Je vais devoir te faire encore une autre couleur de... C'est chiant, mais tant pis, je ne sais plus quel bois j'ai utilisé pour les autres. Donc je vais devoir retrouver ça. Mais en attendant, hop, 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 hop. Tant que ça t'empêche de te balader, moi ça me va. Tac, voilà. Oui, pardon. Hop, 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 voilà. Tac, tac. Alors ici, hop, hop, voilà. Pardon pour la toux. Je sais que c'est jamais très très agréable. Alors ici, ça, je vais devoir le retirer. Et maintenant, allez, au travail. Non. 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 Je veux pas. Fire Protection 3. Non. Je veux Protection à la base, en fait. Sharpness 5. Voilà, attends, attends, ça, ça par contre. Non, non, Sharpness 5, il me le faut. Il me le faut. C'est l'un des sorts les plus puissants du jeu parce que ça augmente de manière énorme la puissance pardon, la puissance de l'épée quoi. Donc Sharpness 5 là ça vient direct. Allez, allez, allez. Je pensais que ça allait être plus cher en plus. Je sais pas pourquoi il est si peu cher. Oui. Alors j'ai une épée avec Sharpness 5 et Knockback 2. Ah ça va faire super mal. Ça, ça fait vraiment méga mal comme épée. Regardez ce petit poulet par exemple. Bam. Bon c'est pas représentatif un hein, poulet, on peut se l'avouer, on est entre nous. Ici, ça va bientôt tout péter. Il suffit qu'il y en ait un ou quatre coins en fait qui grandissent et ça fait tout péter. Ici, ok, c'est bon. Il faut absolument que je pense à retirer les trucs. Plein de carottes, ça va être utile pour faire se reproduire les mecs là-bas. Par contre, les patates, ça avance pas beaucoup. Hein.
très pratique, cette petite armée. Carotte, 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 carotte. Regardez-les. Ah, ils sont bien là. Moi, ils me font marrer. Lui, il est toujours au max, ça c'est bon. Et eux, c'est toujours un adulte et un enfant, me semble-t-il. Ok. Ok, c'est cool. C'était cool, c'était cool, c'était cool le petit Minecraft. Alors bon, il est presque 1h du mat, donc je vais continuer un petit peu streamer. Je vais passer un petit coup sur Deep Rock Galactic.